Ça y est, c'est la fin. Pourtant, s'il n'y a pas de commencement, alors il ne pourrait pas avoir une fin. C'est difficile de parler de commencement, surtout. Surtout quand on s'en trouve dans une exposition comme ici à 7, chez Joris Brontuaz, où j'ai l'impression que justement il n'y a pas de commencement ni fin. Et ça fait maintenant 2 heures que je baigne dans cette peinture. Et là tout de suite, on m'a demandé de parler en direct, de réfléchir sur mon art, sur l'art. Bon, de toute façon, je ne sais plus du tout qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Parce que c'est ce que je disais il y a 5 minutes, on était entre nous avec d'autres artistes, que qu'il n'y a pas vraiment, on peut pas vraiment piger c'est ce qu'on fait vraiment, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on pense, en tout cas pas moi, ça me dépasse. Et justement, c'est ça qui est bien, que ça dépasse, sinon ça sera ennuyeux. Et c'est un peu ça. Voilà, je vois une toile qui, justement, une toile qui s'appelle, avec le titre Lundi. Lundi, c'est un peu ça. Lundi, ça, et l'autre, il dit ça. Et tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, je pense pas mal de choses, mais j'arrive pas vraiment à les mettre en mots. Moi, c'est pas grave. De toute façon, rien n'est grave. C'est comme toutes les tâches, des milliers d'horizons, des carrés, des petits points, des lignes, des ornements. La figuration qui devient non-figuration. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ça, on ne sait pas, justement. Il ne faut pas y réfléchir, il faut juste faire. Quelquefois, justement, ces derniers temps, j'ai réfléchi peut-être un peu trop. Ou peut-être pas, peut-être je réfléchis. Ou j'ai l'impression que je réfléchis, mais c'est plutôt une sorte d'attente. J'attends pour que je puisse faire quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, il n'y a pas de moment fort ni faible, dans le sens que les faibles, ils sont importants pour oui, c'est ça un peu. Les moments faibles, ils sont importants pour les moments forts. Alors, on pourrait dire que les moments faibles, ils sont importants pour faire des choses fortes. Et à l'inverse. C'est pour ça, ça a l'air assez important de surtout plus rien juger, et surtout pas son propre travail. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est un travail? Bon, on fait, c'est ce qu'on fait, et après on dit ça, c'est un travail. Personne nous demande de faire ça, et tant mieux. Rouge, il n'y a pas trop de rouge, un peu quand même. Et alors, qu'est-ce que je vais faire prochainement, moi-même, je vais faire quelque chose de différent, dans le sens que je vais travailler plus rapide, plus léger. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Et surtout, je ne vais rien corriger. Parce que de toute façon, tout ce qu'on met sur une toile, c'est déjà en soi assez parfait. Je crois que c'est ça le mot pour finir.
faut juste faire. Voilà. Ça, c'est déjà assez parfait.